là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, on va se mettre en stabilisé tout de suite à 30 km/h et on va essayer de prendre la courbe là-bas. Donc c'est un demi-tour qu'on fait un grand U à 30 km/h. Si on est en dessous de 30, on passe. Au-dessus de 30, on part en attaque. Vous démarrez, allez-y. Allez. On a un peu de perte de contrôle totale où on peut plus rien faire, on est vraiment tétanisé. Ça vous arrive sur la route à 90. Moi, ce que je veux, c'est montrer aux jeunes, aux moins jeunes et à tout le monde que ce produit, il est fun, mais hyper pédagogique. Donnera des idées pour l'avenir vis-à-vis de nos assurés et autres. La majorité des membres de la profession sont ici aujourd'hui. On s'aperçoit très vite qu'on a tous des mauvaises habitudes. Et lorsqu'on dépasse une certaine vitesse, le véhicule devient effectivement incontrôlable. On perd très vite le contrôle, donc d'où l'importance de réduire sa vitesse en fonction de la route et des chemins qu'on emprunte. Une belle expérience et surtout enrichissante même d'un point de vue personnel. C'est une expérience pour moi qui est très concluante, qui est positive. Et je pense que les assureurs vont la pousser. Vont la pousser parce que si on peut contribuer par ce moyen-là à réduire le nombre de blessés, le nombre de tués sur la route, on aura quand même gagné quelque chose.